Eh bien, salut, j'entre ici pour non pas un jeu, mais par contre une présentation d'un jeu que j'ai retrouvé il y a quelques temps et qui a l'air super intéressant. Franchement, il n'est pas encore sorti. Il va sortir normalement, donc date de prévue pour l'instant de sortie, c'est décembre 2016, donc fin d'année. Il y a eu déjà pas mal d'informations les derniers temps. Il est déjà en développement depuis maintenant, je crois, 2 ans environ. Parce que c'est une petite équipe de développeurs qui ont se lancé donc dans ce projet-là. Et j'espère franchement qu'il est réalisable et que fin d'année, on aura ce jeu magnifique. Mais voilà, pour l'instant, je vais vous le présenter. Et puis franchement, vous allez voir, je pense que la majorité vont vraiment kiffer. Donc c'est un MMORPG, donc un multijoueur. Et vous jouez donc un personnage dans un monde complètement ouvert. Mais par contre, absolument pas comme les autres jeux qu'on connaît déjà dans ce genre-là. Donc, pour une petite histoire du jeu, il a donc commencé comme un projet Kickstarter. Pour ceux qui connaissent pas Kickstarter, c'est en fait des projets qui peuvent être partagés donc avec plusieurs personnes. Et puis tout le monde peut mettre de l'argent en fait comme un don. Mais par contre, cet argent en fait sera investi dans le jeu. Et puis du coup, vous allez, si le projet est réussi, donc là c'est dans un exemple de jeu, si le jeu sort, vous avez grosso modo un peu moins cher que les autres. Mais par contre, du coup, vous profitez parce que vous avez développé le jeu, enfin vous avez aidé à développer le jeu. Donc ça, c'est le concept Kickstarter. Donc le jeu. C'est donc comme dit un jeu dans un monde ouvert avec des graphismes magnifiques, mais ça je vais même pas en parler, ça vous le voyez déjà dans la vidéo. Et puis vous avez une totale liberté, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez par exemple customiser votre personnage, lui acheter des vêtements, acheter une maison ou un appartement et le meubler. Vous pouvez soit habiter dedans, soit le louer, soit le vendre. Il y a sortes de boulots. Par exemple, le chasseur, policier, commerçant. Vous pouvez vous-même faire une entreprise et être chef d'entreprise. Mais aussi, vous pouvez complètement faire quelque chose d'autre. Par exemple, être criminel et faire des braquages de banque ou voler des voitures et tout ça. Par contre, avec le risque que vous pouvez finir en prison pour un certain temps, donc dans le serveur, vous serez donc en prison. Et donc, comme dit, vous pouvez donc acheter des voitures ou les voler justement, pour après les customiser et pour se déplacer logiquement. Ensuite, la map, elle est très grande. Pour l'instant, il n'y a pas encore vraiment de détails sur la map, mais par contre, donc c'est, il y a des cités, il y a des villages, de la nature, des forêts, des fermes et alors, plein de genres d'endroits où vous pouvez aller. Et donc, par exemple, dans le centre-ville, donc dans les cités et tout ça, il y a des magasins justement, des cinémas avec des vrais films d'ailleurs. Et plein d'endroits comme ça, des commerces et des trucs comme ça, mais qui seront donc gérés totalement avec d'autres joueurs. Donc tout est géré par d'autres joueurs. Vous pouvez aussi par exemple faire de la musique, donner des concerts dans les grandes salles. Il y a des musées, des galeries d'art où vous pouvez vous-même peindre et puis donc les mettre dans les musées ou dans les galeries d'art pour que d'autres joueurs le voient. Et tout dans la map sera vendable et utilisable. Par exemple, la radio ou la télé que vous mettez, que vous avez par exemple acheté pour votre appartement ou votre maison, vous pouvez regarder ou dans la radio écouter un stream d'autres joueurs. Donc, par exemple, sur YouTube ou sur Twitch, par exemple, vous pouvez écouter, par exemple, mes vidéos et puis les écouter justement en streaming. Voilà, donc par exemple sur Twitch en live pour suivre en fait justement tout ce qui se passe. Et un petit bonus qui est assez marrant, je trouve aussi, c'est que bien évidemment il y a le chat pour parler, mais par contre vous pouvez aussi utiliser votre micro et puis les lèvres de votre personnage bougent en fait et puis ça a l'air assez synchro. Enfin, il paraît que c'est fait très complexe avec un système très complexe et puis c'est très synchro. Et vous pouvez aussi acheter donc justement des maisons, voitures et puis plein d'autres choses encore. Et puis par exemple les réparer ou les restaurer et les revendre plus cher ensuite. Donc vous pouvez faire aussi un business comme ça. Et franchement, bon là je vous ai dit
des plus petits détails par là, parce que voilà, il n'y a pas encore tous les détails qui sont sortis, mais franchement, si ce projet-là est réalisable, c'est quand même ouf. Ça sera le jeu de l'année, enfin même de, je sais pas, du siècle. Donc, on va pas abuser, mais par contre, franchement, si le jeu sortira comme il l'annonce pour l'instant, et je le souhaite vraiment parce que c'est une petite équipe de développeurs. Et puis ça, je trouve ça toujours sympa s'ils se lancent dans un projet aussi énorme comme ça. Et j'espère franchement que ça sera réalisable. Et puis franchement, ça peut être vachement marrant. Voilà, mais j'ai déjà hâte d'y être. Et en espérant qu'on va se retrouver en décembre 2016 pour la suite. Enfin, pour le début, pas pour la suite, mais pour le début de Identity. Et en attendant, je vous dis, on se retrouve très vite pour la suite de nos Let's Play, justement, sur Rainbow Six Siege, GTA, Heavy Rain, The Division, et puis tous les autres encore qui vont venir. Et puis voilà. Donc sur ce, salut Jean, et à très très bientôt. Et n'hésitez pas d'ailleurs à donner vos avis sur le jeu. Enfin, même si vous, je pense que vous, enfin, si vous avez d'informations plus que moi, mettez-les aussi dans les commentaires, parce que ça m'intéresse beaucoup. Mais aussi votre avis. Qu'est-ce que vous attendez d'un projet comme ça? Et qu'est-ce que vous pensez que ça va devenir? Voilà. Donc sur ce, salut Jean, et à très bientôt.